C'est drôle parce que on dirait. Je veux juste mettre ça ici, là. On dirait que. Bon, ben. Premièrement, mon nom, c'est Alexandre Moses. J'habite à Brossard. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils m'ont dit de faire à l'école. Il faut que je m'identifie. Bon. Mais, qu'est-ce que je veux dire, là? C'est spécial. Pas ça, là.
Non. Non. C'est pas quelque chose qu'on fait à toutes les semaines, les gars. On peut pas faire ça. C'est pas comme une job du lundi au vendredi, crise de gang de sans dessin. Mais on trip! Les gars, on n'est pas beaucoup, là. On est trois dans l'avion. Là. Il y a moi, il y a le pilote, puis il y a le gars qui compte. Ça, c'est le... Ben, c'est mon bodyguard, dans le fond. Lui, là, il est solide. Il est sérieux, là. Il niaise pas. Mais, les gars, on peut pas faire ça toutes les semaines. Pourquoi pas? On peut pas faire ça toutes les semaines. Mais pourquoi pas on fait pas ça tous les semaines? On pourrait avoir là beaucoup d'argent pour la famille. Je suis rendu à 90 kg. Tabarnak. Check. C'est justement... On peut pas... C'est comme... Chris. Ouais, Alex, on arrive dans à peu près 25 minutes. Ouais, mais les gars, on peut pas faire ça toutes les semaines. Oui, mais on pouvait parler des vies. J'ai pas fini de compter, on t'a compté. Chris, t'es dans mes lents, toi, pour compter. Ben, c'est parce que moi, je fais mon... Tabarnak. Tranquillos. Donne-moi la radio, là. Bon, comment qu'elle s'appelle l'avion, là, c'ti? Ben, c'est le 6-8-12-94. 6-8-12-94. Okay. Donne-moi la radio. Check-moi bien parler. Je suis rendu à 100 kg. OK, continue à compter, puis ferme ta gueule. Parce que là, faut que j'appelle l'aéroport. Faut qu'on atterrisse. Ben, on est déjà monté. On a juste à la partie des pots du sous-bord. On la garochera pas par-dessus bord. Je suis capable de la faire entrer, moi. Incognito, facilos. Ben, normalement, comme dans les films, il lance dans les bayous. Moi, je pêche la crevette dans les bayous. OK. Fait que là... Hey, ça sonne, man. OK, donne-moi le micro. Ouais, ici, 18, 94, 12, 15, 16. Demande la permission d'atterrir à Saint-Hubert dans 15 minutes. Ouais, j'étais un avion, puis je vais atterrir. Qu'est-ce que vous avez à bord? On est trois gars, puis on est allé triper, man, en Amérique du Sud. On est allé faire le party. Puis là, on est fatigué. Il y a une piste ouverte dans 18 minutes, 10, 15, 25 degrés sud, est, ouest, 12, 13. Chut. Ferme. Coupe la communication. Coupe tout. Bon. Tout est coupé, là. Qu'est-ce qu'on fait, man? OK, on a la piste d'atterrissage. Je suis tout le temps en dernière minute. On a la piste d'atterrissage. On a... Tiens, je suis rendu à 110 kg. OK, on a 110 kg de coke, man. Puis c'est de la bonne. Fait que... OK, moi, j'ai un deal. Tabarnak. Il y a des champs à Saint-Hubert.
En Louisiane, dans les puissants, dans les bayous, il n'y a pas de problème. Ouais, mais nous autres, on ne veut pas payer de transport pour la famille de tes bayous. On est rendu à 120 kilos, mon frère. 120 kilos, OK. Puis là, et on est chargé à bloc, là. OK. Fait que là, là, mon chum Jazz, là, il chauffe. Là. On va où, mec? Ben, les plans changent pas. Tout est atterri, essaie-tu faire. OK. Tabarnak, on trip. Moi, je vais juste prendre une coupe de bière et je fume du pot. J'ai pas besoin de prendre la coke, moi. J'ai jamais fait de crack, j'ai jamais fait de coke de ma vie. On est rendu à 130 kilos, hein, Alex. C'est beaucoup plus qu'on pensait. Oh, mon Dieu, Seigneur. OK, attends. Faut atterrir à Saint-Hubert, mais c'est sûr qu'on va se faire pogner si on atterrit à Saint-Hubert, Calice. À moins qu'on la garoche dans ma cour en passant par-dessus. Mais ça non plus, ça se peut pas. J'ai une idée. Ah, dépêche-toi, Moses, parce qu'il reste à peu près 5 minutes. On atterrit, là, je commence à descendre. Tabarnak. Hey, le gros! Oui, quoi, qu'est-ce qui se passe? Arrête de compter. On est d'accord. Pack tout. Mets tout ça en sécurité, là. Comme si ça se répète à sortir. OK? Alex, on arrive dans 3 minutes 45 secondes. On descend. Il n'y a plus de. Là, c'est. On plane. On descend. Mais pourquoi tu. J'ai pas fini de compter. Arrête de compter, puis fais semblant que t'as un arrêt cardiaque. Donne-moi le téléphone. Radio. On va passer, même. Qu'est-ce que c'est quoi ton plan match? T'as-tu tout pacté, là, comme fou, là? Oui, tout est dans les bagages. OK. Mec, on débarque, les gars, on crisse le camp. Puis on amène tout le stock à l'entrepôt. Quel entrepôt? Pose pas de questions, man, je ne sais pas encore c'est quel entrepôt, mais on va tout amener à quelque part. Mais il faut décoller ici. Je vais louer. Check moi bien, allez, man. Toi, tu fais semblant de faire une crise cardiaque. On atterrit. J'appelle un truck de livraison Ford Econoline. On load vite. Puis toi, ben, on fait un coup monté, là. On embarque dans le truck, mon crise le camp. Puis toi, tu fais semblant d'avoir une crise cardiaque, je vais aller chercher à l'hôpital le lendemain, OK? C'est correct, les hôpitaux. Mais c'est quoi les hôpitaux au Canada? J'ai peur, moi, d'aller louper. Fais semblant de filer mal. Prends un autre truck. Ben là, j'ai fait beaucoup, je veux pas, là. OK, Alex, on a tiré. C'est ça qu'on fait. Je vais aller te chercher demain matin. Oui, ben là, je connais pas les hôpitaux là, au Canada, c'est quoi ça? Hey man, au Canada, on a des bonnes. Toi là, dans ton pays, là, c'est rien, right? Tu vas être comme à l'hôtel, man. Thank you.
On a un problème. On a quelqu'un qui est en train d'avoir une crise cardiaque dans l'avion. On a besoin d'une ambulance immédiatement à l'atterrissage. Dass die letzte Stärke überhaupt nicht in den Divisionen und Regimentern und nicht in den Kanonen und Tanks liegt, sondern dass die größte Stärke für jede Führung im Volke selbst liegt, in der Einmütigkeit eines Volkes, in der inneren Geschlossenheit eines Volkes, im idealistischen Glauben eines Volkes. Das warum sich die Millionen hier vereinigen? Auf einmal dürfen wir nicht zum Ausdruck bringen, dass wir nicht sind. Dass sie über all diese Trennungen hinweg
20 Jahren wurde die ehrwürdige Stammburg der Grafen von der Mark in Altena in Westfalen zur ersten Jugendherberge in Deutschland und der Welt. Heute wehen die Fahnen der Hitlerjugend und der Jugend Frankreichs, Polens, Englands, Amerikas und vieler anderer Länder vom Bergfried. Die Burg ist Weltjugendherberge geworden. Jungen und Mädchen aller Nationen werden sich erkennen und das Wesen des anderen Volkstums verstehen. Der Stellvertreter des Führers Rudolf Hess und Baldur von Schirach nahmen an der Einweihungsfeier teil. Überhaupt nicht in den Divisionen und Regimentern und nicht in den Kanonen und Panzerfliegen, sondern dass die größte Stärke für jede Türung die Volk selbst liegt, in der Einmütigkeit
eines Volkes. In der inneren Stadt eines Volkes. In der Lichtschau eines Volkes.